c'est lui dans cette nouvelle unité. On se retrouve aujourd'hui gens pour la suite de Pokémon Legend Arceus. Donc vous mettez un maximum de pouces bleus, s'abonner à la chaîne, à nous dire si ça vous plaît. Et on a encore toujours bien avancé. Oui, on a un Pokémon. On a un Pokémon très très cool que vous allez voir. C'est ça. On a été acheter un objet spécial pour le faire évoluer. On va passer rang 6. Juste maintenant. Exactement. Donc on a bien farmé. Faut savoir que moi je joue hors vidéo pour tous ceux qui demandent pourquoi c'est Kim qui joue. Je joue pas parce que Guillaume joue et moi je joue hors vidéo. On a bien avancé, ouais. Guillaume en fait, joue beaucoup plus que moi hors vidéo. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je continue. Bon, chacun son truc en ouais, fait. Voilà. Exactement. Alors, là, c'est donc, fait. Ouais, niveau 6, on avance bien. Faut mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. En plus, c'est Kim qui fait les voix et tout. Donc, si en plus, moi, je faisais. Ah, t'as fait les voix la dernière fois, t'étais motivé, ouais. Je reconnais tes progrès, tu as bien réussi une étoile supplémentaire. Du coup, donc, en 6, niveau 60. Hyperball ? Hyperball ? Hyperball ? 6 sur 10. Hyperball ? Hyperball ? 75 ? Nombre 6. Hyperball ! 80 en plus. Yes ! Ah, mais attends, comment on fait une Hyperball ? Ouh, bah ça va. Les galets ça va, mais les fragments de fer. Oh là là. C'est potion max, ouais. Du coup ça redonne tout. C'est les herbes souveraines. Ça sert à ça. Ah oui. C'est pour faire des potions qui donnent toute la vie. Et donc vous nous avez dit qu'il y avait 242 Pokémon, un truc de genre, donc il nous en manque 100. On est à 134. Donc il nous en manque 100. Sachant qu'il y a beaucoup légendaires, beaucoup d'évolutions. Ah oui, ouais, aussi, ouais. Bah, le Pokémon, bah, vous allez voir, lui, là, Ectoplasma. J'ai attrapé un Spectrum Baron. Et du coup, on l'a fait voler avec le câble Link. Oui. Qui s'achète avec, contre des points de bonne action. Des PAB. Les points que vous avez quand vous ramassez des sacoches. Camille se demande donc si la rage des monarques ne serait pas une épreuve du grand Sinnoh. Pardon. Je ne sais pas qui a raison ou non, mais je me demande bien pourquoi leur grand Sinnoh mettrait les Pokémon monarques dans cet état. Serait-il en colère ? Cherche-t-il à éloigner davantage les êtres humains des Pokémon ? Nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures. Mais d'ailleurs, quelle est la nature de la faille et pourquoi s'est-elle ouverte ? Ah bah il se pose toujours la question au bout de je sais pas combien de temps. Cette blessure est fatiguée, va reprendre des forces. Oh non, mais j'en veux plus de tes beignets. J'ai dit à l'ordi de faire tes beignets. Ils sont bloqués sur leur beignets à la patate douce. Aïe aïe aïe. Donc on a débloqué dans la dernière vidéo Farfurex. On a débloqué, on a battu le monarque. Électrode et Arcana. Et Arcana, oui, au tout début. On a fait 2 dans la même vidéo parce que, en fait, la deuxième rapide. La zone, là, elle est vide. Ouais. Et même là, on y a rejoué. Je suis allé un peu, il y a un Electek qu'on va aller voir parce qu'on est obligé de repasser par là. Mais il n'y a pas beaucoup de. Quel aromatique. De gros Pokémon. Là, on vient d'avoir, par contre, une apparition massive de Seraphos. Oui, de Seraphos. Moi, j'ai fait 2 paras. Il doit en rester un ou deux. On était à 100% la page, c'est compliqué. Oui, ouais. Comme quoi le boss, okay, oui, avec les Pokémon, voilà. Bah, ça, on sait, hein. Il sert vraiment à rien, lui, du coup. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Il n'y a même pas d'affrontement, il n'y a pas de progression. Au début. C'est pas du tout ton rival ou ton coéquipier, quoi. Ouais, c'est ça. Peu importe, tu viens, tu fais des parties du corps de ça, tu es l'ami de tous les habitants. Oui. Il répète un peu toujours la même chose. On fait aussi les missions secondaires de temps en temps. Après, moins. On gagne quelques trucs intéressants. Oui. Le lendemain. Alors, quel nouveau personnage va arriver ? Point d'interrogation, point d'interrogation. Encore. Ah non, Adamantin. Attends, on dirait que ça t'arrive pas très souvent. Bien sûr que si, je dis toujours le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, c'est Cormier qui a demandé de venir à cette heure-ci après tout. Je sais, je te signale que j'ai travaillé beaucoup plus longtemps que le tien. Alors, j'ai dû me lever bien plus tôt que toi. Tu vas te plaindre parce que pour une fois, t'as pas pu faire la grasse matinée ? Ok, toi tu viens, on sait déjà de quoi Cormier va nous parler, mais bon. Il faut re-aller voir. Il faut re-aller voir Cormier, ouais. Let's go. D'ailleurs, le village est agrandi. Oui. Il y a des. Je sais pas si c'est au fur et à mesure que tu complètes le Pokédex ou alors que tu les rangs, ouais, d'étoiles. Je pense que c'est les rangs d'étoiles. Tu arrives déjà, 4 monarques. Il en reste combien ? Au début, quand j'ai eu vent de problèmes avec les monarques, j'étais très inquiète. Mais finalement, on dirait que tout s'arrange et c'est grâce à toi. Mais il en reste un. Qui aurait cru qu'une inconnue comme quoi tout peut arriver ? Bien. Le dernier roi a apaisé. Seracrawl. Le dernier roi. Donc c'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Voilà. D'après Nakara, il est le plus puissant de tous les monarques. Donc c'est-à-dire farm pour être au meilleur niveau. Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu parviens, peut-être ça aura un impact sur la faille. Ok. Seracrawl. On va régler ce problème. C'est le glaçon. La plateforme, ouais, l'iceberg, ouais, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais on y suit du coup. Bah, je sais pas, ça va être Seracrawl. Oui, au vu Arcanin, ça va être Arcanin, ouais. On attend sur la guitare immaculée, qu'on va bien nous rejoindre. Donc là, elle va vous dire. Ah oui, il va faire froid. Ah bah, on va dans la neige. Ouais.
Elle va nous dire est-ce que c'est bon ou pas. Tu auras beau apaiser les monarques, beaucoup de personnes continueront de douter de toi. Qui peut leur en vouloir de refuser de faire confiance à une inconnue tombée du ciel? Donc à toi de gagner leur confiance en leur montrant que tu veux œuvre pour la justice. Oh bah ça veut je dire. Je vais juste aller faire un truc. Ah, ah non, bah si, elle va me dire est-ce que c'est bon, t'as assez de rang. Ah, Burke. Non, c'est Lena. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Chunipot, qu'est-ce qu'il a fait? Abra, téléporte ce Chunipot loin de moi. Bah pauvre Chunipot. J'ai pas fait l'animation. Oui. Bah pauvre Chunipot. Ouais, donc, là c'est juste pour dire, du coup... Tu es la seule d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les terres immaculées. Tu connais les ordres, accomplis ta mission. D'accord. Ok, je vais juste faire un truc qui est important. Comme ça va peut-être être plus dur, on va aller monter bien le ectoplasma. Parce que vous allez voir pourquoi je joue ectoplasma. Parce que déjà il est niveau 58. Il est plus haut niveau que... Ah si, on a eu un plein plouf. Un plein plouf et du coup... ouais, il baron. Est de baron, ouais. Il est baron parce que c'était un plein plouf baron. Aussi. Regardez la taille de mon pas baron. Déjà il est de la même taille alors que lui c'est une second stade. Alors ouais. On verra le pingoléon. Et du coup, eh ben, le ectoplasma baron... Il est légèrement grand. Il est un peu gros et du coup le spectre était déjà gigantesque. Oui. Et du coup j'ai fait voler avec le câble ligne que t'échanges là-bas, juste au fond là-bas. Oui, il le faut. En fait, il y a plus d'échange entre Pokémon parce que normalement. Non, juste les Attends, je vais de transformer le spectre en ectoplasma, il fallait échanger le Pokémon. Sauf que là, en fait, le câble ligne se permet de faire ça. Il faut ça, ça et les pierres. Elles sont les pierres. Voilà, hop, utiliser sur Kalinos. C'est comme ça, on va récupérer. On va récupérer un arcanin. Oui. Du coup, on va aller le poser. Et mettre autre chose. Ouais. Du coup, on a eu garde-voir aussi. Ouais, ça va, c'est bah, si t'as un autre Tarsal pour avoir Galam. J'ai pas d'autre Tarsal. Ah mince. En plus, il est cool. Kalinos. Juste un peu arcanin. Trop gris, ça fait bizarre. Oui, oui, oui. Mais du coup, on a toujours pas trouvé de Shiny. Après, non. Ce sera vraiment late game. Non, parce qu'il faut compléter la page à fond, faire une apparition massive et avoir une bonne apparition massive. Oui, c'est en ça, fait. C'est ça. Bon, on va garder, si on va peut-être poser quand même. Donc, bah, ouais, pierres, ça a complété. Donc là, ça m'a mis comme quoi j'ai fait mais le non, Pokédex. Mais faut que virer Arcanin. Ah oui. Alors, tu es prête à aller sur les terres immaculées? Oui, oui, bah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Jusqu'à présent, pas, je comprenais j'ai pas la beaucoup nécessité de Pokémon, d'apaiser les monarques enragés, étant donné le nombre de personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Seracrawl n'ait fait aucun dégât. Je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Oui, oui. Seracrawl est si énorme et si puissant qu'il pourrait très bien déclencher une avalanche. Tu sais, les avalanches n'ont pas besoin de l'aide des Pokémon pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation me laisse perplexe. Pourquoi intervenir s'il ne cause aucun problème? D'autant plus que la mission risque d'être extrêmement dangereuse pour GK. Mais les monarques souffrent quand ils sont enragés, du coup il faut le mieux les apaiser. Ce qui est sûr, c'est que les mystères entourant les monarques sont encore nombreux. Pourquoi devenir enragé? Pourquoi intervenir? Pourquoi les passer tranquilles? Pourquoi bah, je vais demander à... Pourquoi exister ouais. avec eux? Je souhaite que ce soit le cas, personnellement, je mène des recherches pour bâtir un futur où les esprits et Pokémon pourront vivre ensemble. Oh, désolé, je parle trop, sorry. Allez, vas-y, moi, mais j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Je les arrête pas de... Non, non, je veux pas que tu viennes. Allez, s'il te plaît, je sais que t'es... Ah oui, je suis obligé de faire un combat contre ah, lui. Oui. Ah oui. D'accord. Ah oui, il a dit non. C'était ça, le... Oui, bah oui, mais tu c'est vas... ça, le blocage. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme Pokémon en premier? Archiduc. Ah, non, parce que j'ai lancé Ectoplasma dernier. Ectoplasma alors. Mr. Ah, Mime. Mr. Mime. Ectoplasma. Ah, c'est pas trop mal. Regardez comment il est gros. Il est obèse. Il est énorme. Capacité. Bah, ça, c'est super efficace. Ouais. Donc, très, bon, très c'est bien, de toute façon la meilleure. One shot. Capacité de Pokémon. Coucou. One shot, Monsieur Mime. Noob. Il va envoyer quoi c'est quoi Togepi là? Et Pikachu? Ah non, mais toi, voilà. Tu te fais toucher par là. Mais bravo. Ouf. Ah mais il s'est blessé. Ah oui, il récupère le... Ok. J'ai pas d'attaque ultra efficace. Peut-être l'hypnose. Ouais, je vais faire hypnose. En rapide, après je vais le taper. Ah mais il faut y arriver à faire ce moment, c'est bon 100% non, ah oui. C'est ça. Donc il dort. Ok, et après on va faire un petit... Hydroscure. C'est quoi? Non, c'est... Bon, enfin pareil, ballon. Non, aucun effet. Point de feu. Allez, on va voir. Parce que, du coup, on n'a pas encore vu les capacités, c'est ça que j'aurais pu faire, changer ses capacités, mais du coup, vous voyez, il tape feu. Il tape... Ouais, voilà, c'est bon.
Il tape feu, il tape obscur, ouais. Il tape plein de trucs. Oui, mais il faut faire attention aussi dans la page des Pokédex de bien choisir les... Ça n'affecte pas. Ah non. Si, ça affecte. Et toi, tu t'en as de bien choisir les compétences non pour pouvoir compléter, en fait. Asma, il est dead. Tu n'as pas gagné d'XP, c'est dommage. Bah, je vais le changer. En plus, il est bientôt niveau 60. Je vais aller faire objet. Et on en a fait juste avant. Rappel sur ectoplasma. Je pense qu'on va pouvoir crafter. Pourquoi il reste autant de trucs du coup niveau 100? Ouais. Parce que j'arrive jamais niveau 100. Tu sais, dans Pokémon, tu finis toujours vers niveau 70. Parce que c'est pas fini après, hein, ça raccroche. Hein. Il y a tout un truc après. Ah, je sais. Bah, attends, il y a RCE, c'est comme truc. Oui, bah oui. Il y a Galga, Palkia, je pense aussi. Oui, bah oui. Le clan Perle, toujours. Oui, voilà. Bah oui. Bah, en fait, ce qui est bien avec Pokémon, c'est que ça se finit pas juste au boss, on va dire, de fin, quoi. Cool. Coup critique, très très bien. Ouais, c'était assez rapide. Ouais. Heureusement qu'on a un ectoplasma, quand même. Oui, oui, oui. Oui, 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 t'es nul. Quand tu combats avec tes Pokémon, on dirait que tout est... Niveau 59, niveau 32, niveau 44... Seracrawl est un roi vraiment très puissant. La mission risque bien d'être dangereuse, mais on compte sur toi. Genre, y a pas quelqu'un qui est venu me proposer de l'aide quand même. Hein. Non, débrouille-toi. Ouais, débrouille-toi, ça, ouais. On compte sur toi. Débrouille-toi, on compte sur toi. Là-haut. Ah ouais, du coup, c'est nouveau. Bah oui. Bah oui. Oui, oui, c'est une nouvelle zone. Ah oui, c'est une nouvelle zone. Ouais, c'est une... Bah, la dernière, je pense. Ah, moins que non, y a encore au milieu là. Bivogene. Vous pouvez passer. Bah j'aurais pu. Attends, mais. Bah non, c'était bloqué de toute façon. Non. Bah non, parce que t'avais essayé de monter et c'était marqué. Non, c'était pas bloqué. Il y a une zone que j'aurais pu aller, le temple, oui. Tout le temple au-dessus, en dessous de la faille, là. Ah oui, je sais pas. Bizarre. Si, je suis sûr qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait. Bah oui, du coup, on l'a pas fait. Les terres immaculées. Attends, mais ça me perturbe. On va voir. Mais du coup, on va battre Seracrawl direct. On va encore la vendre, blé. Oh là là, attention, j'ai peur. T'aurais pu changer, ça se trouve, t'as des nouvelles tenues. Ah oui, tu penses que j'aurais dû aller voir? Oui, bah tu iras plus tard. D'après les informations, la reine de l'iceberg où se trouve Seracrawl se situe... Loin d'ici. Cette mission promet d'être particulièrement dangereuse. Je te conseille de bien écouter Nakara et Adamantin. Je ne peux pas prendre de risque inconsidéré. Ah, ça va pas trop froid. Non, ça va. Ils n'ont pas changé non plus. Ouais, donc il y aura froid aussi. Plutôt avec toi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve qu'il fait même un peu chaud. Si tu veux savoir ce que c'est le vrai froid, attends d'arriver à notre prochaine destination. Finalement, on n'est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents. C'est juste que t'es insupportable. Tu veux parler? Comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croyaient un imposteur qui aurait créé le temps? Le seul et véritable grand sino, c'est l'espace, voilà. C'est pour ça qu'ils ont scindé les jeux en deux. De leur rejoindre mon maître. Ça nous avance bien. Ton maître, là, c'est Garrett, il est où? Mais enfin, tu devrais le savoir. Il est l'endroit le plus froid de la zone, à côté du glacier. Évidemment, allons-y, GK. Bah, go. Il m'énerve à toujours être pressé, il pense qu'il a son précieux temps. Bon, bon GK, on se donne rendez-vous là-haut. Allez, et on va découvrir s'il y a des nouveaux Pokémon. Bah, s'il y a Seracrawl déjà, il doit avoir Grelasson. C'est le temple. Non, c'est là, c'est juste là. Non? Non, c'est. C'est là, le roi dormant des plaines. Mais attends, moi, je suis. J'aimerais bien aller voir juste un truc avant. Contrefort couronné. C'est quoi alors? Moi, je pensais que c'était ça. Mais non, mais parce qu'en plus, j'ai dit qu'on allait repasser devant, il y a les élécables. Ah oui. Là, c'est un endroit qu'on n'a pas du tout fait, parce qu'on pensait que c'était dans la suite de la vidéo. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, non. Oui, donc il y a des élécables, j'en ai capturé un. Il y a un élécable baron. Ouais. Sauf que il est niveau 70, je crois. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Ah non, c'est des galets. Ouais, mais on peut les prendre. Ah, on peut en crafter. Ah là, oui, il est là. Oui, ouais. Mais ça se trouve, c'est une quête. Ouais, on va regarder. Parce qu'il est là. On va regarder. Je prends juste ça et ça. Il faut passer par là. Qu'est-ce qu'il va te dire? T'es ici à la porte de pierre, j'ai reçu l'ordre de ne laisser passer personne. Oh, d'accord. Donc voilà. Bah oui, c'est pour aller à la faille en fait. C'est Arceus, ouais. Bah ouais, mais du coup, c'est bizarre de. Ouais, j'avoue. On va le prendre, on l'a pas. Je pense que c'est un mignon. Ouais, je pense que c'est un pas trop. Est-ce que ça passe une super boule? Ça passe. Niveau 40. Est-ce qu'on peut craft quelques hyperboles aussi? Je sais pas. On peut. Deux. On peut en crafter deux. Au cas où, je sais pas, on voit peut-être un légendaire, un truc ouf. Un truc de malade. Donc là, on peut déjà aller là.
parce qu'en fait, il y a des trucs sur les parois. C'est le rejure. Cap humain. Ah, du coup, on a toujours pas le vol. Hein. C'est bizarre. Hein. Je pense qu'il va débloquer là. Probablement parce qu'il manque un perso. Ouais, puis un truc. Il y a des falaises partout, donc logiquement, oui. Installe gamin. C'est bien la bonne position, ok. Bah, je vais prendre le style gamin. Hein. Donc l'autre il dort. Oh, c'est trop bien là-bas. Ah, yes, ouais. Il est vraiment trop gros. Hop. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ah, yes, il est en train de le faire. Ouais, ils attaquent pas. Donc. Non, ils attaquent pas. Alors. Former le style gamin. Il y a des pieds de fer. Ça se trouve, il va en avoir plus vu que t'as eu les Bah, vu que c'était un peu vide la zone d'avant, j'ai. Ah, grelasson. Non? Si, si. J'ai un peu peur que... Ah, mais grelasson, 18. Il est différent? Bah, oui, normalement, il est tout blanc. Il est tout vitreux. Ah, bah oui. Il est pareil. Ah, bah oui, mais c'est l'ombre alors. Bah, c'est raccroche, ce sera pareil. Ah, mince, il y a un truc. Et c'est toujours. Ah, bah, c'est un grelasson. Ah, grelasson. Mon dieu, incroyable. On va te shooter parce que. Bah, il faut, de toute façon. Parce que c'est pour les définis, il faut. Voilà. Au revoir, grelasson. Bah celui qu'on aimerait bien voir, c'est pourquoi pas Monsieur Mime Junior en Shiny, parce que c'est stylé. Non, Mime Junior ou Monsieur Mime Junior, bah les deux quoi. Hop là, je pense qu'on va remonter là où on doit aller, puis en passage on fait des nouveaux Pokémon. Bah si on en voit, parce que là... Ok, ouais, c'est... Ah punaise, c'est toujours la zone, hein. Il y a des agrumes. Il y a pas beaucoup de persos... Pas beaucoup de Pokémon là. Cap humain. Et rien. Y a rien. Ah si, il est là pour Ray. Encore. Mais là, c'est Pokémon de glace, c'est sûr. Il veut pas. Il fuit. Ah, y a pas un droite là. Ah, cochonou. Oui, Cochignon, macaron. Macaron et cochignon. Ouais. Cochonou. Bon, elle est trop mignonne. Bah oui, il est trop mignon. Ouais, ils sont pas beaucoup plus au niveau que là, finalement. Ouais, mais il faut... Le problème, c'est que tu utilises des super balls pour eux, alors que ça se rend dans des pokéballs, ce serait bon. Non. Ça passe quasiment pas, les pokéballs. Ça passe rarement. C'est vraiment pour la première zone, les pokéballs. J'avance un peu, comme ça, on en profite pour un peu voir la zone. Ah ouais. Bah, il y a le village du clan... Ah bah, perle. Poniglali. Yes. Oniglali. Ok, sale gamin. Et puis, rien du tout. Et puis, on va retourner voir la quête. Des castorneaux. Il y en a partout. Tu peux escalader ça, tu penses? Oui, je pense, ouais. Non, tu peux pas. Ah, bah tiens, il doit y avoir le chef. Oui. Le gardien du clan Perle. Te voilà, franchement, je te félicite. Il faut vraiment être motivé pour venir dans un coin aussi triste et glacial. Tu vois, là, il a la marque des gardiens. Oui. Voici Garrett, le gardien de Seracrol et mon vénéré maître. Adamantin, un peu de respect. Enfin, toi, de te présenter. Je suis Garrett, l'un des gardiens du clan Perle. Enchanté, Garrett. Tu es le DJK du groupe Galaxy, je ne m'abuse. J'ai une question à te poser, si tu permets. Pour quelle raison souhaites-tu apaiser Seracrol? Parce qu'il est enragé. T'aurais dû mettre, c'est ma mission. C'est ma mission. Oui, ça me pose les avalanches. Voilà, on va dire n'importe quoi. On répète la même chose qu'on a dit tout à l'heure. C'est certes la mission que t'as confiée le groupe Galaxy, mais qu'en penses-tu personnellement? Il faut l'apaiser. Mais il est relou avec ces questions-là. Seracrol est le roi des plaines enneigées. Il ne gêne ni les Pokémon ni les êtres humains. Mais Garrett... Gardez votre sang-froid. C'est vrai que pour le moment, Seracrol a causé aucun problème. Mais il est si grand, qui sait, qu'il pourrait provoquer s'il se déchaînait. C'est aussi notre devoir de veiller à la sécurité de tous, vous croyez pas? En effet, tu n'as pas tout fait tes torts, mais dans ce cas, je vais devoir m'assurer que la membre est à la hauteur. Ok, bon. Ok, donc vas-y, combat, blablabla. C'est vraiment sérieux comme le zone. Oui, mais bon, au moins, il y a des nouveaux Pokémon dès le début, et du coup, t'as envie d'explorer un peu. Oui, Glalie. Oh. Ça, le problème. Ça, c'est dommage, ça aussi. D'oublier que... Ah mince, t'as récupéré un truc avant, donc faut pas que tu oublies que ça sera le Pokémon que t'enverras après, tu vois. Bah ça va être bien, parce que glace... Oui, feu. Feu, ouais, justement. Sauf qu'il va... Il est gros. Il attaque. Un Marty qui va taper deux fois, donc je fais en style rapide. Je pense que ça va être efficace, quand même. C'est pas trop mal.
Marty qui joue. Oh, sérieux. Ah, il joue pas anglais. Bah, il serait d'avis de. Ah oui, tu peux pas taper mon Marty. Non. Ça, je comprends pas aussi. Mais si, bon, il ça, doit avoir un moyen. C'est bizarre quand même. Non, il tape le premier, on voit, ça va. Ouais. Ouais. Ah, parce qu'il est 24 aussi. Il tape le plus puissant. 24 et 24, mais ouais. Boum! Bim bada boum boum boum! Oh mon Martic! Super Tchuss! Vous avez vaincu le mon Martic! Combat terminé! Bon, c'était pas ouf! Non, c'était un peu nul comme oui. Je suis trop niveau. C'est bien ça, c'est très bien même. Je dois dire que tu sais comment briser la glace. La Russie, cette épreuve haut la main, son niveau est suffisant. Merci à vous, maître. Beaucoup de gens ont tendance à se méfier d'elle parce qu'elle est tombée du ciel, mais moi, je lui fais confiance. Maintenant, avant de te rendre à la cour royale, pour apaiser Seracon, tu vas devoir récupérer un glaçon éternel. Ah, une quête. Et pour ça, tu vas avoir besoin de deux rivières, car il faut voler. Tu auras les détails plus tard. D'abord, faut trouver Sabi, une fille de mon clan. D'accord. Mais voilà, enfin... et là, de nouveau, il y a un intérêt, tu vois, c'est comme Kaninos. Oui. Il faut aller trouver autre chose avant. Et en fait, la zone d'avant, c'était... Bah, ils t'ont donné Farfurex. En fait, t'as fait un combat... Et puis, va pas trop loin, parce qu'après, c'est Arceus, alors va faire une autre... Oui, aussi. Seracon est un roi du clan Perle. Je me dis que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais si tu insistes, Seracon aime manger les glaçons éternels qu'on trouve du glacier des terres immaculées. Mais Farfurex est incapable de grimper jusque là-haut. Le seul moyen d'atteindre le glacier est d'arriver par les airs avec Guerriaigle. C'est là que le clan diamant entre en jeu. Mon maître est déjà presque parvenu au sommet, il s'est arrêté à 2 mètres du but. Tout ça, c'est grâce à ses muscles. Incroyable. Cool. Et ses cheveux bleu fluo. Quant à Sabi, elle est un peu perchée. Il faut aller au temple Frimapic. Ah bah Sabi, quand on parle de loup. Attends, elle va pas l'amener. Non, elle est trop stylée. Elle est trop mignonne. Ouais. J'ai vu l'avenir, j'ai joué à Feuille. Je suis trop perché avec moi, vous pouvez pas m'attraper. Je vois ce que tu voulais dire au sujet de Sabi, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Poursuis-la sans plus attendre. Moi, je fais faire... Ouais, ok, d'accord. Non. Ouais, c'est bon. Il est trop stylé, ce perso. Je dirais que c'est un des persos plus stylés. Ouais, il est très beau, ouais. Tu peux me montrer. Non, je peux pas utiliser... Je peux pas du tout utiliser Pokémon. Non, c'est pas grave. Oh, c'est... C'était un bout de rocher. Ah oui. On aurait dit un lapin. Lui, ou le Guerriaigle. Coucou, mon nom est Sabi. T'es GK, c'est ça? Enchanté. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que t'es très forte, c'est ça? Je suis sûre qu'on va bien s'amuser toutes les deux. J'ai tout vu, je sais déjà tout. Tu veux l'aide de Guerriaigle pour apaiser Seracron, c'est ça? Oui. Pas de problème. Il y a juste une condition, il faut que tu m'attrapes. Guerriaigle, on y va. Il faut la trouver. Rattrapez Sabi. Elle est là-bas, derrière, là, à droite, là. Donc si on voit un nouveau Pokémon, on s'arrête. Ouais. Relaçons. Onigladi. On l'attrape lui aussi. Lizzy. Il n'y a même pas son Pokémon. Onigladi. Stade gamin. Il y a une pierre, tu vas passer sur une pierre. Ah, Onigladi version baron. Ok, je pense qu'il va être un peu au niveau. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Les boules de neige et une pierre glace. Pas mal. Bien. Bah, pour Givrali. Ouais. Qu'on n'a pas. La poreille. Ben je vais prendre, est-ce qu'il faut des boules de neige? Je sais bizarre pas. Comme ingrédient à quoi ça servirait. Boules de boue et boules de... Ah bah ouais, il y a les boules de boue aussi. Ah, c'est pour lancer sur les Pokémon. Ouais, genre il va... Ou non, il va s'arrêter le... Pas besoin. Sarbina. Pas besoin. Bah ça c'est pas mal, hein. Enfin, Furex et tout, c'est marrant. Oui, ouais. Du coup, attendons de voir le vol. Oh là, la spawn. Bonjour. Giga! Non, le personnage est marrant. T'as réussi à venir ici jusqu'ici malgré le froid, t'as fait vite, mais j'ai peut-être fait exprès pour que tu m'attrapes, qui sait? C'est vrai, je t'ai dit, j'ai tout vu. Ça se trouve, c'est un mensonge. Oui, peut-être.
Oh, tu peux pas savoir au fond. Allez, alors, on continue de jouer, viens me chercher au temple et Frim l'a payé. Est-ce que c'est amusant de jouer avec toi ou peut-être pas en fait? Qui sait? Allez, gars, on y va! Transition imagination. Alors là, j'entends des bruits. Il doit être en train de voler, il doit aller dans une autre destination. Il n'y a pas budget animation. C'est pas eu le temps. Let's go! Bah, ce qui est bien, c'est que lui va doucement et du coup, même si tu vas en pente, tu risques pas de prendre dégâts de chute parce qu'en fait, au pire, t'appuies sur, Y pour descendre. Et puis voilà. Y, tu passes sur l'autre. Bien joué. Allez, un furiglon, on en a pas. Reste avec nous, petit. Yeah! Niveau 51, c'est quand même pas mal. Hein. Oh, Kadabra. Ah. J'ai jamais. J'en ai déjà un. Ah bon? Ouais, j'ai pas de Abra, mais j'ai un Kadabra. Abra, j'ai jamais réussi. Hein. Du coup, il y a peut-être un Kazam. Archéomir, t'en as pas? Archéomir, je l'ai pas. Kadabra, je l'ai. Là-bas, il y a du feu. Ah, Abra, Abra. Disparaître. Mais je crois qu'il faut les changer aussi à la Kazam. Pour le transformer en la Kazam? Je crois, je suis pas sûr, mais. Bah, on va regarder. On va se renseigner pour savoir comment faire évoluer tous les Pokémon. Ouais, ça me trappe quand même. Ouais, bah oui, parce qu'il faut quand même les attraper. Mais je l'ai, hein. Oui, mais il est en fou plein. Ah, mais t'as vu. Laisse tomber. Oh, t'as rien. Oh, Archéodon, ah, Archéomir, trop mignon. Oh, putain. Ouais, tu vois, c'est une boule comme ça. Moi, j'ai déjà vu plein de trucs comme ça où t'as juste. Ah, bah, il y en a plein de Kadabra ici. Je peux attraper Archéomir. Hein. Vas-y. Je vais réessayer ma technique. Moi je pense que ça fait. Et tu vois, ça fait ça. Ouais, ouais, je sais. Du coup, il me voit pas. Ça me permet de faire des buissons partout. Bien joué. Bien joué. Mais t'as tout pris. Du coup, ça fait des zones, c'est bien ça. En fait, il faut qu'on crafte ça. Bon, on a attrapé quelques Pokémon, c'est bien. Bonjour. On l'a trouvé. Pourquoi y a un gardien? Bah c'est le temple de... C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu trouves pas. Voilà le temple de prison qui t'invite quoi. T'as le droit d'entrer comme ça, on peut continuer de jouer. Je crois que je m'amuse bien avec toi ou pas, je ne sais plus trop. Tu penses que je m'amuse? C'est un peu chelou hein. Sabine m'a juste expliqué, si elle dit que tu as le droit d'entrer, je ne vais pas m'y opposer. Personnage, vous avez plus d'idées ou plus de budget. Ah oui. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes. Oh, Breath of the Wild. L'astuce serait de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine, garde cela à l'esprit. Donc lui, c'est personne. Oui, c'est le premier personnage. Ah si. Clanterne. Non, non c'est vraiment lui, c'est personne. Là, il n'y a plus d'idée. Ah ouais, là, il n'y a plus de nom, ça sert à rien. Clamperle, lui, il s'appelle Clamperle. C'est lui, c'est l'original. C'est ça, exactement. Et on va mettre... Arcaduc quand même. Ah bah c'est des Regice. Oh, Regice. Enfin Registeel, Regigas. Non, c'est Regice. Et là c'est. Regice le grand. Ah, il y a des Pokémon? Ah oui. Ah ouais. Attends, parce qu'il faut faire des énigmes. Du coup, c'est ce qu'on a vu comme fresque ça. T'as Manaphy. Ah oui, ouais. Je vois rien. Moi non plus. Punaise, je vois rien. Il est relou lui. Relou le petit, hein. Bon, on va le shoot. 29, punaise, tout ça pour ça. Super efficace, griffe ombre. Une bonne attaque que j'ai rajouté ça. Oui. Suive le regard des statues. Un motif évoquant l'acier et des. Ok. Faut aller au-dessus de toute façon. Ouais. Ça se trouve, c'est pas. Ouais, tu vois, c'est chiant, t'étais obligé de les. Tu te fais voir tout le temps donc. Des sur à petit, tu pouvais descendre aussi. Mais c'est au-dessus. Pas utiliser le Pokémon pour aller plus vite. Non. C'est par là, je pense. On peut descendre, donc il y aura sûrement un temple avec un autre Regice. Bah, Regice, ça se trouve, il va être là aussi. Oui, ça se trouve aussi, mais je sais pas. Si je regarde les statues. Ah oui, d'accord. Quelle énigme. Ah. Trois panneaux ornés de gravures sont incrustés dans la porte. Là où se pose le regard des statues. Quel panneau voulez-vous toucher en premier? Bah, acier. Rien ne se passe. Ok. Acier, c'était le deuxième.
Du coup, ouais, ok. Ah bah attends, je vais quand même vérifier, je trouve que c'est deux fois le même. Non, c'est roche, ça. Roche, okay. Acier et soleil. Mais dans le sens inverse. Non. Soleil, roche, acier, soleil, ok. Roche, acier, ah non. Et glace, glace, oui. Ah, c'est glace, oui. Oui, c'est glace. Rien ne se passe. Quoi? Pas compris. Ouh! Première fois dans le jeu qu'il y a ça. Ouais. Mais c'est mieux que... C'est ça avec la zone d'avant. La zone d'avant, ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment la moins bonne. Ouais, il va falloir retenir tout, ça va être compliqué. Là, il n'y en a pas. Ah, ah bah, il y a une flamme. Il y en a même là, des flammes, alors que tu reviens jamais là, je suppose. Ouais. Il va faire attention. Ah si, parce qu'après, il y aura une solution avec toutes les flammes. Oui, oui, oui. Et tout. Alors, le premier à retenir est le... Glace. Glace. Roche. Roche. Acier. Acier. Glace, roche, acier. Et il regarde là-bas. Ah oui, il y a un autre truc. Glace, roche, acier. Roche. Glace. Glace, roche, acier. Roche, glace. Glace. Roche. Acier. Acier. Roche. Glace. Et glace. On est trop intelligent. Ouais, on est trop intelligent. C'est chaud. Quand tu résous des énigmes, bon, même si elles sont faciles, mais quand tu résous... Non, mais quand tu résous des énigmes, t'as l'impression d'être un surhomme, tu vois. Ah, punaise. Ok, génial. Alors... On commence par lequel, celui-là? Non, c'est le fond. Ah oui. Acier. Acier, ça c'est acier. J'étais croche. Acier. Glace. Glace. Roche. Roche. Acier, glace, roche. Glace. Glace, acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace. Acier. T'en as roche. Loupé un. Acier, glace. Non, non. Si, acier, si. Acier, glace, roche, glace. Alors. Acier. Glace. Glace. Roche. Glace. Acier. Acier. Roche. J'en ai pas loupé un. Ah puisque... oui, j'en ai loupé un. Ah punaise, c'est relou. Hein. Oui, mais celui qui était dans la porte. Eh ben, celui qui était dans la porte, c'est celui qui était dans la porte qu'on venait d'ouvrir. D'accord. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Ah bah, oui. Oh, oui. Voilà, donc Kim n'est pas si intelligent. Voilà, tu peux redescendre sur Terre, c'est bon. C'est marrant parce que j'essaie de laisser percuter Kim, je dis bon, non, elle va se rendre compte. Oh, Galam, cool. Qu'est-ce qu'il fiche là en mode Scred là? Est-ce qu'on n'essaierait pas une hyperbole? Il s'est cassé. Et on va mettre un... Ah mais ça se trouve tu vas le faire fuir encore. Qu'est-ce que tu fais? Bien joué. Vite, vite, prends l'hyperbole. Hyperbole, hyperbole. Mais non mais pas lui, on s'en fout. Tu passes ou tu l'attaques? Tiens, donne mon chat. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'est une blague qu'on a fait? Il a évolué. Carlia, il a évolué. Bon, on va faire. On va se cacher, puis on va aller. Mais il a plus de vie ton ectoplasma. Si? Non? C'est incroyable. Non. Bon. Ouais, c'est une énième fois. Du coup, je les prépare surprise, donc c'est moi qui joue en premier. Un hypnose rapide. Enfin, un hypnose rapide, ça peut être pas mal. Ouais. Alors, attends. La prochaine action du lanceur peut arriver plus tôt, mais la puissance des effets de la capacité diminue. Enfin, la puissance est capable, mais la prochaine, ok. Plutôt faire un hypnose puissant. Ok, ça passe. Est-ce que l'hypnose est vraiment plus puissant de ouf?
peux plus bouger. Non. Ok, c'est pas grave. Il est toujours en train de dormir. Ce qu'il faudrait, c'est le toucher une fois. Est-ce que je peux faire un style rapide? Ah bah non, peut pas avec SD. Enfin, je touche une fois, qu'il me tue pas, qu'il loupe son truc, et après je l'atteins. Bah, je touche une fois, j'enlève sa moitié de sa vie. Faut déjà que tu... Allez, on y croit. Il est somnolent, il lui reste allez pas beaucoup de vie. Allez, hyperball, hyperball. Allez, oh, let's go. C'était quoi ce saut? Ah, c'était une capture parfaite. Ah bon? Ah, on peut évoluer. Oh, c'était une capture parfaite. C'est-à-dire? Bah, t'as pas vu, ça a pas fait... Il a fait juste... Touk. Enfin, plouf. Enfin, Goléon. Baron. Du coup, il va être immense. Normalement. Ouais, il va être à côté de... Avec le plasma, quoi. Ouais, mais... Ouais, cool, Galam en Baron, c'est bien. Oui, Galam en Baron, c'est 70, bien. 70, c'est pas mal. Surtout que la Galam garde voir qu'elle va être tout. Donc, ectoplasma, il est comme ça. Et Pangoléon en... Oh, il est gros. Il aurait pu se mettre debout. Qu'il hein. Est, pourquoi il est... Pourquoi il dort? Parce qu'il il est gros. Il a pas assez de place. Je pense qu'il est trop gros. Ouais. Ouais. Je vais voir pour voir si c'est... Réveille-toi. Ah. Punaise, ils sont géants. Il me... Ah, il me bloque la roue. Punaise. Allez, comment... Et sauve Arcaduc. Sauve Arcaduc. Sauve le pauvre, ah oui, tu l'as oublié complètement. Donc très très bien, un Pokémon niveau 70. En plus, on ne l'avait pas. Non. Parce qu'on a fait non, un garde-voir. Ouais. Et puis en plus, c'est un baron, donc ouais. Il va être fat. Très bien, bon, on continue. Du coup, notre expédition. Puisque c'est là. 45, c'est juste là, normalement. Voilà. Bah, ils ont mis un obstacle, ben on le prend. Voilà. Et on le capture. Ouais, ouais, ouais. Bah, je voulais le shoot, mais en même temps, je me dis c'est dommage parce oui, que. Oui, parce qu'on l'aura pas facilement. Bah, faut revenir là et tout, c'est pas un rang, on retournera, je pense. Oui. Parce qu'on peut pas utiliser oui. Le cerf pour aller vite. C'est vrai. Tu m'as attrapé, mais c'est tu sais bien, quoi. J'ai tout vu. Je t'ai vu planer dans les airs avec Guériaigle. Tu me crois? J'ai envie d'y croire. Et long couloir. Ouais. Ça aurait pu être un peu plus long quand même. Ouais, c'était pas assez long. Après, la petite zone était marrante. La zone était bien, ah, le d'accord. Principe d'énigme, moi, c'était assez facile, c'était bien. C'était mieux que du combat. Et du coup, on va l'utiliser pour partir. Et là, apparemment, il y avait des critiques sur ça, comme quoi, bah, tu vois rien. Ah oui, ouais, il paraît, ouais. On va voir. Guériaigle, et si tu testais toi-même la force de GK? C'est une blague? Non, mais elle soigne même pas en plus. Non, mais je te jure. Non, mais je te jure. Mais on va pas l'attaquer, Guériaigle, on va l'utiliser. Ah ok, mais, bah... mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est super efficace, ça. Là, dans deux tours, j'ai deux tapes. Normalement, oui. Super efficace. Bon, je vais faire en puissant. Ah non, bah, attends, mais c'est il combien niveau 54, ça. Description. 80, ouais, 100, 100. On va faire ça. Tu penses que tu veux pas le one-shot? Je vais faire Gigamal. Ah, bien joué. Tant pis, je me suis bien amusé aujourd'hui, je crois que je vais rentrer maintenant. Hein? Mais non, je rigole. Allez, joue de la flûte avec moi. Bah, tu vois, ce qui est dommage, contrairement à Zelda, il y aurait pu avoir quelques musiques différentes. Oui. Pour chaque monture, juste pour faire un petit défi. Parce que là, en fait, elle joue avec moi et en fait, c'est toujours la même chose. Oui. Guériaigle a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Guériaigle double la clap. Plaxiel. Type vol, du coup. Ouais. Merci, Sabi. Il spawn. Ouais. Je suis sûre que Guériaigle adorera se balader avec GK. Tant mieux, au fond, c'est ça, un monde où les êtres humains et les Pokémon sont proches, non? Faut croire. Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sinnoh fait ça par colère? Oui, lui il répète ça, ouais, lui il répète beaucoup, ouais. Si jamais c'est une épreuve, la faille aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que t'auras apaisé Seracro, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce soit même pas quelqu'un de Hisui qui passe à des preuves du grand Sinnoh. Oh là là, je savais pas que tu pouvais être aussi sérieux.
Et moi, je te savais pas aussi mal poli. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Et je pense que t'es pas étrangère à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais enfin rencontrer le grand Sino. J'arrive pas à croire si ce que tu racontes à Damantin est intéressant ou nul. Bon, tant pis. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Guérilla. Voilà, c'est tant attendu. En partant d'un potion, on pourra t'emmener n'importe où. Ouais, mais au moins, c'est pas Farfurex du genre... Oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Guérilla. C'est pas Farfurex? Bah oui, il te le donne direct. Au moins, il y a eu une épreuve, il y a eu un truc. Tu vois, la bague glacier... Ah oui, bah, le truc qu'on peut pas garder. Ah oui, c'est ça. Maintenant, envole-toi avec Guérilla et quand tu voudras atterrir, descends en piqué. Vous parlez de planer dans les airs. Attention, okay. Attention, hein. Moment fatigué. 20 heures de jeu, hein. C'est mignon. Ouais. Bon, on voit tu rien, c'est vraiment pour se déplacer, quoi. Ouais, on va au glacier. Et on s'arrête là? On combat le Seracro dans la prochaine vidéo? Si tu veux. Et du coup, on peut. Si j'enlève et je refais. Non, mais sinon, tu vas en piquer. Je sais pas comment on fait. Ah mais... oui. Ouais. On voit quand même les Pokémon un peu. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vraiment. Là, pour le coup, c'est pour se déplacer, ouais. Ouais, on voit pas grand chose, ouais. Bah, ah, on peut rester en. C'est pas mal ça. En vrai, c'est stationné. Donc, si, c'est pas trop mal. T'es à gauche, hein. Ouais, mais je regarde juste. Ça brille. Ouais. C'est une mamotte là. Ouais, mais tu vas pas pouvoir retourner sur le glacier. Ah oui, mince. Je suis vraiment de refaire la même chose. Ouais, en même temps, si tu t'es pas craqué. Ouais, mais ça brille aussi partout là. Moi, j'ai un Pokémon Shiny. Examiner. C'est du sel roche dure. Me dis pas qu'ils vont stepper les autres, hein. Le Smarcius réagit. Vous recevez un glaçon éternel. Ok. Waha! J'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel? Je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. Vous donnez le glaçon éternel à Garrett. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Seracro. Retrouve-moi là-bas. Et ben, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour aller affronter. N'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Non, mais de toute façon, on va faire Seracro plus Arceus à la prochaine vidéo. Non. Il y a d'autres choses à faire entre, donc on fera... Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. À plus tard. Eh bien, on va aller grandir les comptes déjà, parce qu'on va aller voir notre. Bon, on va juste aller voir notre Galam. On va rentrer. Ouais. De toute façon, ça sert à rien de rester ici, sachant que c'est juste là. Vas-y, vas-y. Je voulais juste voir, il y avait un truc sur le pic. Attends. Il y avait un des pics où il y avait un truc. C'est là? Ah ouais, je crois qu'il y avait autre chose. Donc tu lances, tu. Ah oui, ça te fait quand même un. Ça fait un boost. C'est marrant, c'est assez fluide, c'est bien. C'est fluide pour le, pour la montée, pour reprendre le Pokémon, c'est assez fluide. On va juste aller récupérer Galam. Donc un baron. Et deux barons. Ouais, ils sont giga grands. Ouais. C'est marrant. Ouais, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est marrant. Et donc voilà, nos Pokémon barons. On se retrouve barons. Demain pour Seracrawl, ainsi que la suite de l'aventure Let's Go, n'importe quoi, Légende Pokémon Arceus. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimmicky Mal. Allez, salut!